Salut les gamers et salut les gamers, on démarre de suite sur notre nouvelle vidéo du debriefing de Clash of Clans. Et puis une vidéo de debriefing qui va être assez constructif, du moins je vais essayer de le faire. Donc on peut voir en fait là l'attaque de David the Great qui à quelques minutes de la fin va vouloir nous la mettre, on peut voir ses troupes ici. Et j'ai proposé à la team de mettre du Only Archer dans nos casernes. Pourquoi? Enfin dans nos casernes, dans le château de clan. Pourquoi je proposais ça? Ben on va voir que ça va énormément servir. Regardez le temps qu'il perd à ce niveau là. Le temps qu'il perd est énorme. Et en plus il est fini même pas. Donc James m'avait dit ouais mais s'ils ont un sort de foudre. Ben s'ils ont le sort de foudre, là vous voyez là il aurait eu dans le cul. Il y en a encore qui sortent. Avoir du full archer, surtout quand on a 20 voire 25 places dans notre château de clan, c'est vraiment très difficile à faire sortir. Donc ça peut être très très utile. C'est vrai que s'ils ont un sort de foudre, on se fait one shot de suite. Mais on a pu le voir tout au long de cette game, il n'y en a pas eu un seul qui nous a détruit nos archers avec un sort de foudre. Donc certes, si on tombe sur une team qui fait ça, on aura dans le fion. Mais je pense, dites-moi si je me trompe, que c'est plus utile de mettre des archers que des dragons. Car on a pu le voir, et là on va le voir clairement, hein, le mec il a perdu un temps fou. Et en plus de ça, les archers qui sont sortis par la suite, là, ils ont tout déblayé. Ils ont participé au déblayage, on va dire. Voilà, donc le mec il a sorti vraiment du lourd. Ah, ça c'est génial. Ça c'est génial. S'il n'y avait pas un fail, ça serait pas une de mes vidéos, hein, j'ai envie de vous dire. Et du coup, on va pouvoir re-regarder vite fait le début. J'ai bien envie de vraiment regarder cette partie parce que le mec il a vraiment fait n'importe quoi. Voilà, donc il balance un géant. Donc James m'avait dit qu'il balançait des squelettes parce que pour se faire sortir le château de clan. Sauf que là, le squelette il était déjà mort, tu vois. Donc, bon, il utilise aussi des géants accessoirement. Mais là, le mec il croit qu'ils sont tous sortis. Pourtant, les mecs en face ils étaient pas mauvais. Hein. Vous allez voir les stats qu'on a eu. Ils étaient vraiment pas mauvais. Ils nous ont encore une fois mené tout le long. Bon, nous on fait exprès maintenant. C'est plus à voir. On attend vraiment le dernier moment pour pouvoir les niquer. Mais vous voyez là, le mec qui. Voilà, regardez comme il galère. En plus, il les fait même pas venir bien jusqu'ici de façon à ce que les archers ne se focusent pas sur les bâtiments et seulement sur les défenses. Là, vous voyez, celui-là, il tire sur la cabane d'ouvriers alors que... Comment à l'ouest. Donc, il envoie deux golems. Il m'a fait exactement le même coup. Et vous voyez, là, on peut aller voir. On va essayer de regarder ce golem-là. Bon, il y a le roi des barbares qui est quand même level 9 chez James. C'est assez puissant, donc on va plutôt regarder chez l'autre. L'autre golem, qu'est-ce qu'il fait? Non, en fait, il se passe pas grand-chose. Lui, il envoie son roi des barbares. Là, malheureusement, la bombe, elle aura pas... Si, elle aura eu 2-3 personnages. C'est dommage, ça n'a pas été fait à fond. Et vous voyez tous les archers, là? Le boucan qu'ils font, voilà, les archers sont vraiment très utiles. Ils sont vraiment très utiles. Et en plus, en face, il y avait des witches, quand même, hein. Et là, pas de chance pour lui parce que les witches, normalement, ne sont pas touchés tant qu'ils invoquent des squelettes. Sauf que là, regardez le canon, ça va être magique là. Là, le canon, il fait pfff dans ta gueule, je t'ai vu. Il se focus même plus sur les squelettes, il se focus directement là. Et là, boum, là aussi, bim. Allez, les witches en moins. Voilà, donc le mec va vraiment galérer. En plus, ce qui me fait rire, c'est que le mec va insister en balançant son sort de saut, pensant à arriver à faire ses 50%. Donc là on peut voir qu'il y a une Tesla qui était vraiment bien placée parce que la Tesla du coup va défoncer le... entre autres le... comment s'appelle cette connerie là? Enfin le bordel qui vient de mourir là, j'ai un trou de mémoire. Voilà donc les Tesla et vous allez voir que moi aussi mes Tesla sont assez puissantes et c'est ce que j'augmente en premier maintenant les Tesla. On va aller voir directement mon château, je vais vous montrer ce que je suis en train de faire. Voilà donc mes Tesla sont ici. D'accord, sont toutes niveau 6 et je suis en train d'augmenter la niveau 7. Certes, ça coûte très cher, mais je vous montre juste vite fait. Une Tesla, niveau 6, à 75% de dégâts par seconde. D'accord? Vous prenez un canon niveau 10, il est à 65, donc moins puissant. Vous prenez bon, les tours d'archer, enfin
les tours de sorcier ça compte pas, parce qu'ils font surtout des AOE, ils sont surtout violents dans les AOE. Donc ça, ça compte pas, on va prendre ça. 65 également, comme les canons. Et là, on va avoir les mortiers qui sont à... Bon, là non plus ça compte pas, c'est plus pour des AOE. Mais voilà, les tours Tesla, ce sont vraiment les plus puissantes que défense que l'on ait. Même les Arc-X, regardez les Arc-X. Ils sont à 50, niveau 1. 50% de dégâts par seconde. Donc les Tesla, c'est vraiment ce qu'il faut augmenter en priorité et vraiment bien les placer. Ouais, mais Tesla se touche. On peut voir... Pourquoi il n'y a pas le truc? Voilà. On peut voir la démarcation, elle prend toute cette zone-là. Là, c'est pareil, elle va prendre toute cette zone-là. Elle se relie à chaque fois. Et je vais vous montrer dans mon château de clan, c'est exactement la même chose. Explorer. Mon château de clan, ça va être la même chose. Vous voyez, les Tesla vont se toucher, tac, 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 et tout à l'intérieur. Voilà. Et là, j'ai fait pareil pour les têtes chercheuses. Là, elles se touchent. Là, elles se touchent de manière à aggro à chaque fois quelqu'un qui arrive près. Enfin, du moins, un aérien qui arrive, vous voyez. Tac, tac. Qui va arriver près du château de manière à le one shot. Voilà, ça c'est les petites techniques que je vous propose. Et franchement, améliorez vos Tesla, les mecs, parce que c'est des anti-aériens et des sol-sol également. Enfin, c'est des air-sol, quoi, tout simplement. Donc, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on va aller voir allez, tiens, on va aller voir Seth qui s'est loupé. Non, c'est lui qui défend. C'est pas ça que je voulais voir. On va aller voir Robin qui n'y croyait pas du tout à son attaque. Juste, excusez-moi, je suis un peu éparpillé là, je sais pas trop où je vais. Voilà ce qu'ils ont fait quand même comme résultat, 24 à 22. Vous voyez, ils ont fait que des 3 étoiles sur tout le monde en bas. Donc c'était vraiment bon les mecs, hein, ils ont fait 3 étoiles dès le début, ils ont mis un coup de pression. Et nous au final, on a réussi à faire la même grâce à notre stratégie de groupe, on va dire. Allez, on va voir Robin qui n'y croyait pas trop à faire les 3 étoiles. J'ai dit si tu peux le faire. Et donc j'ai pas vu encore sa game. Donc on va aller la voir. Donc là il essaie d'aggro au château de clan. Donc ça c'est... voilà. Là c'était mieux. Surtout qu'il y avait qu'un dragon. Donc c'était plutôt rapide. Donc n'hésitez pas à aller les voir et cliquer sur le château de clan pour savoir combien ils ont de troupes, etc. On saura pas exactement quelle troupe, mais on sait combien il peut y en avoir. Et on voit la démarcation du cercle, où est-ce que ça aggro ou est-ce que ça aggro pas. Donc aggro, ça veut dire attirer. Donc on attire les troupes du château de clan. Voilà, très bien, ça c'est impeccable. Pas de sort de foudre, ça sert à rien sur les dragons, et la plupart du temps c'est des dragons qu'il y a. Donc moi, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, les sorts de foudre on arrête nous aussi, parce que ça sert à rien. À mon avis. Donc là très bien, comme ça les géants vont démonter l'anti-aérien qui est ici, et je pense qu'il va sortir son heal par la suite. Je conseille quand même de mettre un très bien mis au bon moment ça, parce que là il y a eu il y a eu tout qui est venu au même endroit. Voilà, impeccable, comme ça là, ça continue à les heal, ça leur fait rien. Je te conseille quand même de mettre un ballon. Parce que là, voilà. Hein, je l'ai dit plus d'une fois, le ballon en guise de leurre. Et mettez-le au même endroit, vous allez voir. Parce que on va aller voir Ankraras après, qui m'a foutu le ballon n'importe comment. J'étais avec lui, et je lui dis balance ton ballon, et il m'a fait un what the fuck pas possible. Avec son ballon. Donc là c'est dommage parce que voilà, ça aurait pu économiser une potion de heal à ce niveau là. Parce que bon, les géants, il faut de l'aérien. Si vous n'avez pas de l'aérien, à bas level, on n'y arrive pas parce que les géants ils galèrent à passer les murs. Soit il faut avoir 50 000 squelettes, mais les sapeurs, hein, c'est trop cher, trop place, deux places pour un sapeur. C'est pas vraiment rentable. Donc voilà, donc le mien dragon, il a mis 4 avec le mien ça fait 4 points. Donc très bonne tactique, juste je te recommande, tu vois là, de mettre cela, bah tu aurais mis un ballon à la place. Le ballon, ils peuvent servir des fois même le ballon, le tank. Pourquoi il meurt pas ce con hein. Le tank qu'il se fasse one shot, il peut servir à certains endroits. C'est très rare mais ça peut servir. Donc très très bien joué de la part de Robin. C'est là un petit peu. Ouais, ouais, faites attention aux cabanes, hein, dans le coin. C'est très bien joué, il avait vu. Il fait le 100%. À l'aise, il fait 100%. Ouais, donc 4 dragons, voilà. Donc tu enlèves un petit peu des archers, tu mets un ballon, s'il te plaît.
ça t'évitera de se faire one shot. On va aller voir de suite Ankhras, comme je vous disais. Non, ça c'est lui qui s'est fait défoncer. Donc là c'était sur lui, il me semble. Il me semble que c'était sur lui. Je me souviens plus. Donc là il a gros château de clan. Il en remet un parce qu'ils sont pas tous sortis. Vous voyez le temps que ça prend? Non, ça c'est... Je fais n'importe quoi. Là c'est Ankhras qui défend. Et vous voyez, tout le long en fait il va gaspiller le mec. Le mec il gaspille, gaspille. Ça permet de... Et même là je suis même pas sûr qu'ils aient tous fait sortir. Hein. Si on remarque hein, qu'il a pas un très, très gros château. Vous voyez le temps qu'il perd, regardez le temps qu'il perd. Regardez, il est toujours sur les archers là tout à l'heure. Voilà, il vient de perdre une minute déjà sur les archers. Bon, ils avaient tous fait sortir, mais voilà, il a perdu une minute. Bon, après, ça dépend de quel level il a, le mec. Hein. Allez, s'il te plaît, montre-moi un truc de Ankhras. Il est resté au début. Alors, Ankhras, défaite. Ankhras, c'est sa première. Et le deuxième, bordel de merde. Là. Donc, il avait réussi à faire une étoile au minimum. À la fin, j'aurais même plus, tellement qu'il m'avait rendu fou avec son ballon à la con. Donc là, on va passer, ouais. Donc je disais, le problème de Ankhras, c'est qu'il est trop lent. Vous avez vu le temps qu'il a mis pour rebalancer un... Excusez-moi, je vais vous le remontrer de base, parce que je suis allé trop vite. Je viens de penser à un truc. C'est que Ankhras... Il faut que je le retrouve maintenant, bordel. Je le vois pas. Ah là, il est là, hop. Donc j'avais dit à Sylvain, Ankhras, pardon. Tu balances un truc, avec de suite derrière un squelette. Ça l'a fait péter, donc il a fallu qu'il balance un deuxième. Le truc, il devait en fait, le géant devait passer, et gros le château de clan. Regardez le temps qu'il met pour mettre un deuxième géant. Il faut le lancer de suite, tu sais que tu vas aggro un truc, que c'est long, donc il faut y aller de suite. Donc là, il aggro. Il va les faire attirer par ici. De suite, on n'attend pas, on accélère le mouvement, il faut pas se poser 15 000 questions. On a une stratégie, on l'applique, bim bam boum. Bon là, c'est moi qui l'ai fait appuyer sur d'autres trucs parce qu'il m'a fait stresser tellement qu'il m'a énervé à être trop lent. Je lui ai fait faire un peu n'importe quoi. Donc voilà, donc là il en deuxième, balance un deuxième, il gaspille plutôt des barbares parce qu'ils sont un peu moins serviables, on va dire, dans le truc. Donc voilà, voilà, en fait, là il s'est un peu loupé, il fallait plus le faire passer par ici. Là le problème qu'il a eu, c'est qu'il a voulu faire... Vous savez, il reste son doigt appuyé et il glisse tout le long comme ça, ça n'a pas fonctionné. Donc quand ça fonctionne pas, n'attendez pas 15 ans les gars. Cliquez, cliquez, vous cliquez dessus à mort. Donc là, j'ai pas trop compris parce que mes hommes en sport se sont fait assez vite démonter. J'étais un peu déçu puisque dans une précédente game, c'était allé beaucoup plus vite. Il était allé vachement plus loin, mes hommes en sport. Ah là, il était pas healé, il a un peu trop mis en amont. C'est des choses qui peuvent arriver, donc fais attention, hein, ne pas trop mettre devant. Donc voilà, donc là il va balancer ça. Là je lui ai dit deux squelettes directs pour, voilà, pour les casser. Le problème c'est qu'il a été trop lent encore une fois. Et du coup, les trucs ils font demi-tour. Et ils font demi-tour et ils passent par là. Donc là il va se faire volder et là il y a une grosse bombe. Ça on l'avait vu, ça c'était prévu. Là je lui dis, bon vas-y, balance ton heal, mais avant balance le ballon. Le ballon c'était ici. Il me dit oui, je vais balancer là parce que ici, si on met trop de temps, je me suis fait niquer. Regarde le temps que tu mets pour balancer le heal. Tu vois, donc n'attendez pas. Même si ça met du temps à arriver, c'est pas grave. Certes, ça aurait mis du temps, mais c'est pas grave. Parce que là, il y aurait eu un anti-aérien ici. Le heal, quoi qu'il arrive, il se faisait one shot. Et le ballon, il servait strictement à rien. Donc, soyez logique dans vos faits et gestes sur Clash. Il faut être logique. Ça sert à rien de balancer un leurre là-haut si tu balances le heal ici, enfin voilà, allô. Bref, il va se louper, il va réussir à faire quand même une petite étoile. Après je lui ai dit, fais la petite étoile, démerde-toi. Allez, qui on va aller voir maintenant? Vous voulez que je vous montre une de mes attaques? Je vous montre un peu, je vais vous montrer ce qu'il a fait l'autre en face. Il a fait 49%, il n'a pas réussi à faire les 100%, vous allez voir en fait. Ah ouais, il avait balancé ça direct lui. Ah non, ça c'est Pig. Ah, il y en a deux qui m'ont attaqué, j'avais pas capté ça qu'il y en avait une deuxième qui m'avait attaqué.
Oui, tant que famille, regardez, ils sortent encore. Ils mettent beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Bah, celle-là, je la découvre avec vous. Et là, il balance beaucoup trop tôt. Ouais, donc il fait ça pour rien, en fait. Alors, lui, il a un sort de foudre, il va me niquer, vous allez voir. Ah, même pas. Il essaie de... Qu'est-ce qu'il fait? Ah, ça y est. Donc, voilà. Et là, vous voyez, il a déjà perdu une minute, le mec. Et il a gaspillé ses troupes de château de clan. Donc, quoi qu'il arrive, pour le moment, à mon goût, les sorciers, c'est le top. Enfin, moi, je trouve, hein. Certes, il me les a one-shot, mais il aurait pu me one-shot beaucoup plus tôt. Le mec, il a mal joué. Et ça y est, il sortait sorcière. Le mec m'a sorti une sorcière. Donc, ils ont vraiment envoyé du lourd, hein, pour essayer de nous la mettre. Mais bon, je pense que moi, ma base, la plus facile à prendre, c'est par les airs. Je pense que c'est le mieux avec des dragons. C'est le seul qu'on ait pu voir qui m'ait fait vraiment mal, c'est les dragons. Ah, les sorts de rebond, ils aiment ça, hein. Putain, qu'est-ce qu'ils kiffent. Et voyez, après là, là ici, il y a les Tesla, et là les Tesla font mal. Allez, les Tesla. Allez. 49% le mec, il a fait, hein. 49%, il était à deux doigts d'avoir le château de clan. Oh putain. Je jubile. Je vous avoue que je jubile. Allez, la witch, elle est en train de se choper le château de clan. Boum. Allez, les Arkix. Allez, bim. La sorcière, bim. La witch. Là, il y a eux qui vont faire ça. Moi, je sens qu'ils vont être un peu longs. Ah, regardez le temps. 48. Ah non, ils se font un shot, hein. Ils sont où les 49%? Ah, il a eu ça, cet enculé. Pourtant, ça, c'est long à faire prendre, hein, mais bon. Pas eu le temps. Heureusement, parce que, franchement, ça aurait été les 50%, je serais bien sorti niqué, parce que l'autre, la tour d'archi, la défoncé à ce moment-là. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut aller voir d'autres? Je vais vous montrer, ben, du coup, le premier, ce qu'il avait fait aussi, il avait envoyé vraiment du lourd sur ma gueule. Défense victorieuse sur leur boss. Donc lui, il a gros un géant direct. En fait, c'est la première attaque. Donc l'autre savait très bien ce qu'il y avait. C'est pour ça qu'il a dû préparer un sort de foudre. Donc, vous voyez, lui, il a pas de sort de foudre. Il a mis deux sorts de boost. Personnellement, c'est pas du tout ce que je mettrais. Moi, maintenant, ben, je vais vous montrer mes attaques. Hein, maintenant, si j'ai trouvé la solution. Hein. Vous voyez le temps qu'il met, putain, c'est énorme. Même si le mec, il pourra jamais faire à 100%, quoi. T'es sûr de pas faire à 100%. Donc, il perd trop de temps sur les archers. Que là, le dragon, il aurait été déjà mort. Hein. Je vous informe, hein, que le dragon était déjà mort, il aurait pas fait beaucoup de dégâts. Donc, il balance des golems en haut. Et il a utilisé tous ses géants et tous ses archers. D'accord. Donc il reste plus grand chose. Hein. Il reste des fortes troupes. Mais des fortes troupes dont 10 qui peuvent mourir facilement, ce qui sont les sorciers. Des troupes fortes. Fortes troupes, je te dis. Donc là, il a heal beaucoup trop tard son golem qui s'était déjà défoncé. Parce que j'ai ma reine qui. Franchement, elle est violente. La reine des archers, elle est vraiment violente. En défense, c'est une tuerie, c'est vraiment un monstre ce truc. Et donc là, il y a deux PK au même endroit. Les PK, moi je les aurais pas lâchés maintenant, vous voyez, parce que les PK ils se focusent vraiment sur le truc sur le côté. C'est un peu dommage, moi je les aurais balancés maintenant, genre les PK. Ils se focusent plus vers le milieu. C'est plutôt difficile à avoir. Donc, sort de rebond. Et là, donc déjà un PK qui est mort. Et là, vous allez voir. Il va rebondir ou quoi? Voilà, là, le PK, voilà, il s'est démonté, je l'ai pas vu, il était là en fait, pour Tesla. Et ouais, deux Tesla en x2 sur le PK, donc c'était 75 x2 x4, puisqu'il y en avait deux. Les PK se font vraiment one shot. Donc eux, ils se tapaient vraiment des tripes à mettre des troupes fortes, ce que je faisais au début quand je faisais des guerres. Après, j'ai compris que c'est pas forcément la meilleure solution. Et c'est vrai que ça peut être sympa d'avoir des troupes fortes.
Qu'est-ce que je vous avais dit? Oui, je vais vous montrer moi mes deux attaques, donc j'ai pas réussi à faire du 3-3, mais on va aller voir ça. Je pense qu'on va aller s'arrêter là, ça commence à faire un peu trop long. Donc, maintenant j'ai 180, je sais plus combien de groupes. Il y en a 200 en tout, donc 180. Eh merde, c'est combien? Je sais plus, bref. J'ai tout ça de troupes. J'ai rajouté 5 hommes en sport. En fait, si vous voulez, pour aggro château de clan. Ça n'a pas fonctionné la première fois. J'en ai resacrifié 5. Histoire de tous bien les faire sortir. Je me suis dit, je peux faire la même connerie que les vidéos précédentes. Je les fais tous bien sortir correctement. J'ai aggro tout le monde correctement. Il y a une Valkyrie. Vous avez vu? Donc là, je fais un peu n'importe quoi parce que je la mets bien devant de sa gueule, la Valkyrie. Là, je vais mettre même plusieurs devant elle. Je vais mettre un peu sur le côté, non, je mets bien devant, quoi. Voilà, donc là, je fais un peu comme je peux, parce que si vous regardez, je peux les aggro pas vraiment où je veux. Et pourquoi j'ai mis ce côté-là? Parce que tout simplement, la tour de sorcier, c'est celle qui a moins EP. Donc pour que mes hommes en sport se fassent moins défoncer, j'ai fait devenir par ici. À la base, je voulais attaquer par là-haut. Mais j'ai préféré faire ici, parce que c'est celle qui est me niquer mes hommes en sport le moins facilement. Cette tour de sorcier là. Toutes les autres sont un peu au maximum pour lui, enfin, presque au maximum. Elles sont bien EP, on va dire. Et du coup, j'ai mis de l'autre côté là pour pas se faire défoncer trop rapidement. Et voilà, depuis que j'ai mon château de clan level 9, ah, c'est un vrai kiff puisque du coup, maintenant je peux avoir 5 sorts de heal. Et là, les sorts de heal sur les hommes en sport level 4, elles sont magiques. Elles sont vraiment magiques. Alors là, ce que je vais faire, j'ai mon dragon qui s'est fait sauver les niches au dernier moment parce que je me suis un peu loupé sur les troupes du château de clan. J'en balance un deuxième par ici pour un peu équilibrer comme d'habitude, hein, vous savez, j'entoure un peu la zone pour un peu tout rader. Et là, pareil, donc je mets le roi des barbares de ce côté-là. Et là, j'attends, il me reste encore la reine. Je vais attendre pour me focus vraiment sur l'hôtel de ville. Pour être sûr d'avoir au moins 2 étoiles parce que là, je vois que j'ai perdu pas mal de temps. Et je vais pas pouvoir le faire le 100%, donc ça je l'ai anticipé. J'attends que tout ça se fasse défoncer. Voilà, tranquillou, on se détruit tout ça. Et là je vais commencer à balancer la reine des archers qui va se focus sur le truc d'élixir. Et ensuite, donc j'invoque de suite, je fais son sort d'invisibilité pour invoquer des troupes. Mais pas de bol, il y a 2 grosses bombes ici, donc ils vont se faire tuer, mais bon, c'est pas grave, de toute manière, quoi qu'il arrive, les dragons étaient sur le tour de clan. L'hôtel de ville, pardon. Donc voilà, c'est easy quoi. Hein. Voilà, donc là je vois bien que je n'ai pas assez de temps. Et si vous regardez, vraiment, si lui serait pas fait one shot, il me restait plus de temps. Avec des 6, j'aurais pu avoir 6 étoiles. Voilà, je vais vous montrer, j'ai fait strictement la même chose. J'ai attendu vraiment des moments pour voir si on allait gagner ou pas. Alors, lui, je l'ai fait 77%, mais lui, je l'ai fait 96%. Et lui, c'était vraiment un manque de temps. Vous allez voir, donc j'ai regardé la vidéo en amont. Pareil, même principe, j'invoque 5 hommes en sport. Je les sacrifie. Et au moins, ça déclenche les pièges. Ça a déclenché le château de clan comme il fallait. Là-haut, le bougre a laissé une cabane d'ouvriers. Ça ne servait à rien. Là, donc, j'en mets plusieurs pour pouvoir un peu anticiper sur les troupes. Donc, je les entoure bien. Voilà, et là je vais pas trop perdre de temps, je balance un peu mes troupes, il m'en reste 3. Et je vais les laisser, là je balance les hommes en sport. Donc je balance les hommes en sport avec de suite un sort de heal. Là en fait c'est tellement long que j'ai loupé mon doigt, j'ai dû relâcher sans faire exprès. Je balance ce sort de heal, j'en mets 2, et là je vais vérifier là-haut que l'autre il est bien crevé. Je vois que non, je balance mes 3 autres qui suivent. Je vois que ça suffit pas, je balance encore mon... un de mes dragons pour pouvoir bien le finir et que le dragon ne se focus pas sur mes hommes en sport pour que mes hommes en sport finissent bien le taf correctement. Voilà, du coup mon dragon il a fait tranquille bilou. Voilà, il était easy et là il commence à faire le taf. Et regardez les hommes en sport, franchement ils sont magnifiques. Et la reine des archers elle est que level 1 donc. Oh oh là là, regardez, level 4 ils sont pas morts. La bombe elle les a pas tués. Bon là la reine des archers elle est finie hein, par contre. Il va rester que cette tour de sorcier. Ah, avec ça, et là j'ai balancé l'arène en fait pour le terminer, essayant de faire un maximum de dégâts, pour tenter le 100%, mais c'est un peu compliqué. Donc là j'ai tout utilisé, hein. J'ai vraiment tout utilisé. Les 8 j'avais mis là pour que le dragon se focus plus par là-bas,
Vous voyez, pour pas que le dragon continue à venir par ici, donc j'ai mis le roi de barbare ici. De manière à lui se faire one shot. Ouais. Ils sont pas fait one shot, sans culer. Il y a eu deux anti-aériens à ce niveau-là. Donc c'est dommage. Le sorcier qui titille le roi des barbares, c'est rigolo ça. Là, le roi des barbares qui. Ben, j'ai utilisé son sort de rage, donc du coup, il a dans le fond, il va se faire défoncer gentiment par la reine des archers. Et vous voyez, si j'aurais demandé un dragon, j'aurais fait 100%. Parce que là, le dragon serait focus sur le château de clan, qui a énormément de vie. Et il aurait pu se focus donc plus rapidement sur lui. Enfin voilà, il ne serait pas fait one shot au même endroit. Ça, c'est vraiment dommage. Je préférais qu'il mette un anti-aérien ici, en guise de bombe. Parce que regardez, bon, lui, il s'est fait prendre tous les petits anti-aériens qui font que dalle. Ils sont même pas EP à mon avis. La reine des archers level 6, là, elle va bien. Et là, vous voyez, donc j'ai un roi des barbares level 6 également. Qui fait une. Ça, c'est ce qui a le plus de vie, donc c'est le plus chiant. Vous voyez, là, il est en train de courir après le roi des barbares, donc il perd du temps. Et là, je perds du temps aussi également. Là, ça aurait été déjà déblayé par l'autre dragon, donc il serait déjà venu ici aider. Donc je pense que j'aurais pu faire le 100%. Voilà, allez, peut-être un petit dernier pour la route. Cette vidéo, je voudrais pas qu'elle s'éternise trop longtemps non plus. Qu'est-ce qu'on pourrait voir pour un dernier Alors, je vais vous montrer, parce que quand même, les mecs, ils ont attaqué leur propre... donc Sarah, level 5, niveau 5, elle a attaqué Teaser. Voilà, donc ils ont fait comme nous, chacun prend son niveau. Et je vais vous montrer qu'ils sont quand même... ils ont fait ça tout le long, ils étaient quand même balèzes en face. Ils étaient quand même balèzes, mais ils n'ont pas réussi à faire des étoiles sur moi et James, les deux plus hauts niveaux du clan. Donc là, voilà, il balance un dragon, donc là aussi, ça fait mal sur les archers. Mais voilà, donc vous voyez, tout se passe par les airs et c'est comme ça qu'ils y arrivent en fait, les mecs. Hein. Donc, EP bien vos anti-aériens, parce que vous savez qu'en temps de guerre, il faut quasiment que du coup de dragon quoi. Donc voilà, là il est le bon moment, en plus il y en a 2, parce que là c'est trop cul sur le roi des barbares. Mais il y a 2 qui se vont sur le château de clan, elle a bien, il est vraiment bien, il est au bon moment le mec. Voilà, donc lui bon, il a plus de vie. Bon après voilà, on va aller voir le clan de Sarah vite fait pour voir à quel niveau elle est. Allez, quand même, hein. Donc elle a pas réussi, putain, avec un seul châteux de trucs de fou, quoi. Bon, allez, encore une fois, là, ah là là, il aurait eu la Tesla un peu plus haut, peut-être qu'elle aurait pu le bouffer dès le début, il n'y a plus beaucoup de vie, hein, donc vraiment châteux en face aussi, quand même. Hein. Bref, allez, on va aller voir le château de Sarah, parce que du coup, Teaser n'a pas réussi, lui, à faire à 50%. 84% quand même. Allez, ben, allez, on va voir directement la truc. On va terminer là-dessus. Ça commence à faire long. Donc là, il a aggro et en plus, il fait péter une grosse bombe. C'est nickel. Donc là, il a aggro bien du bon côté. Ça, c'est nickel. Ça kill l'heure. Donc là. Malheureusement, en fait, il aurait fallu qu'ils aggro un peu plus vers là. Qu'il en gaspille, sacrifie un peu plus, afin d'éviter ça. Très bien, là, de balancer le dragon. Ça, c'est bien joué. Je crois que c'est le mien, parce que j'ai énormément donné, moi. Hein. J'ai donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de dragons. J'ai dû donner pour... allez, facile, un demi-million d'élixir dans cette war. Hein. Je suis vraiment content qu'on l'ait gagné, parce que j'ai vraiment beaucoup donné. Et j'avais vraiment envie de la gagner cette fois. Donc on peut voir que lui est level 3 et que ses dragons sont level 2 ou 1. Je sais pas trop. Ou c'est l'inverse. C'est peut-être pas le mien du coup. J'ai de la merde. Donc sort de rage plutôt bien lancé puisqu'ils sont tous au bon endroit.
Là, sort de heal, j'aurais mis par ici peut-être. Il est sacrifié, je sais pas pourquoi. Oui, il attend. Ouais, t'aurais pas dû attendre, parce que tu vois, t'aurais pu le sauver celui-là. Même le sort de heal, t'aurais dû le lancer bien avant. C'est ce que je disais. Là aussi, là, t'aurais pu healer tes dragons à ce niveau-là. Bon, t'attends un peu pour lui, mais bon. Parce que les sorts de heal, c'est très, ils heal très difficilement les dragons. Je pense que tu n'as pas gaspillé tes potions de heal. Là, sort de heal, là, direct. Voilà. Un peu trop tard. À mon goût, hein. Je sais pas trop, mais à mon goût, c'était un peu trop tard. Et c'est dommage. Là, je pense qu'il y a eu un coup de pas de chance. Ah, sort de heal encore une nouvelle fois ici, là. Boum. Voilà, nickel. Ah, pas de chance. Oh là là. Oh, qu'est-ce que je disais. Le mec, il est, putain, à un poil de cul près. Voilà, ça, il aurait fallu l'anticiper. Mettre vraiment entre les deux. C'est vraiment dommage. Bon, ça va, ils repartent pour se faire healer, mais voilà, ils ont heal que dalle. Donc, roi des barbares, tu vois, moi, j'aurais plutôt mis par ici. Vous voyez, comme je vous disais. Pour bien finir, là, voilà. Le dragon aurait pu terminer par ici. Bon, en plus, il y avait lui qui était là-bas au bout, c'était un peu compliqué. Mais, parce que du coup, je pense que c'était vraiment un manque de temps. Pas tous morts, ouais, voilà, c'est un manque de temps. Dommage, dommage. Vous voyez, encore une fois, c'est les troupes du château de clan qui nous font perdre. Voilà. Bon, sur ce, on a quand même gagné. Je vous montre les résultats. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit like, ça me fera plaisir. Et un petit commentaire si vous avez des choses à dire. Vous pouvez aussi également me proposer des astuces pour mieux attaquer aussi à ma façon. Bon, je pense que je suis un peu au top, mais je voudrais pas me trop m'aimer non plus. Et n'oubliez pas, on recrute du level 40 à partir du level 40 maintenant. On devrait faire des guerres à partir de 15 contre 15. Allez, je vous remercie et je vous dis ciao ciao, à la prochaine. Hey mon ami, tu aimes les patates? Tu connais le Willy Weller 2006? Le Willy Weller 2006 se roule partout, il se cache dans les placards et dans ce cas-là, tu peux éplucher de toutes belles patates. Ou bien, tu peux regarder l'ancienne vidéo, c'était l'ancien débrief de la semaine dernière. Le Willy Weller 2006, on peut compter sur lui.